Le programme établi par les arc-en-cielistes pour dégrader l'humain renvoie symboliquement à l'arc-en-ciel biblique élaboré par Dieu pour sceller une alliance avec Noé et sa semence. Cette semence correspond à l'humanité nouvelle qui émerge après le déluge et, partant, à l'ensemble des nations. Or voici, par une torsion impie du sens des Écritures, une certaine fausse élite, qu'on pourrait qualifier d'occultiste, a cru voir dans ce pacte, entériné par Dieu avec les dites nations, une loi particulière, propre à l'humanité, appelée le noachisme, ce, par opposition à une seconde loi, dite mosaïque et qui, elle, concernerait les rabbins uniquement, compris comme peuple d'élite, et placé ce faisant au-dessus de l'humanité. Autant dire que ces prêtres talmudiques se prennent pour des divinités, et donc pour des gérants d'un soi-disant troupeau constitué de bêtes humaines. À en croire leur vision, l'homme devrait être traité comme du bétail, et donc soumis à l'eugénisme, au croisement des espèces auxquelles il appartient, au verdissement de son espace d'élevage, à la castration et, éventuellement, à l'abattage. Car si le Créateur a permis en son temps le déluge, pour nettoyer la terre de ses ignominies, la caste qui nous tient lieu d'élite en ce moment, en se prenant pour Dieu, entendrait de la même façon châtier l'humanité, pour lui faire honte d'être ce qu'elle est selon ses dires, à savoir un cloaque d'immondices. Le plan de destruction de ces arc-en-cielistes coïncide avec celui des transhumanistes, qui se rêvent immortels, et avec celui des satanistes, qui usurpent et pastichent la fonction du divin. Cet agenda du mal comprend quatre composantes. La première concerne la différence sexuelle, qui est le fondement même ou de la personne humaine. Les rabbins noachiques entendent donc supprimer le masculin et le féminin pour indifférencier l'homme et la femme sous le signe du troupeau non genré, travesti et efféminé, tout en se réservant à eux seuls, le droit d'être sexués. Le deuxième élément se traduit par un brassage fusion de tous les peuples du monde, de toutes les particularités ethniques et de toutes les cultures pour qu'en définitive il ne reste plus qu'une race informe, l'humain, que ces lévites perçoivent comme un troupeau de bestiaux. La troisième composante de leur plan kabbaliste vise à rendre chatoyant, et donc écologique, l'espace dans lequel ces sous-hommes sont censés se mouvoir. Cet arbre n'a rien d'un frein ordinaire. Il y a quelques années, il a servi de lieu de prière pour un jeune père de la communauté de Maliotenam sur la côte nord. C'est auprès de cet arbre, à quelques pas de l'entrée de l'hôpital, que le père a prié pour sauver sa famille. Il mettait ses prières, ses offrandes. L'appel a vraisemblablement été entendu. Cet arbre est maintenant sacré grâce à une plaque. Je pense que ces deux mains tendues-là aujourd'hui se sont rejoints pour créer cet événement-là significatif. Pour le CHU de Québec, il s'agit d'un premier pas. La famille, elle, rêve d'un lieu de recueillement adapté aux Premières Nations dans tous les hôpitaux du Québec. Avec le contexte qu'on a vécu avec les missionnaires et tout ça, mais des fois les gens, c'est un peu perdu. La dernière dimension se veut génocidaire. Il s'agit d'organiser en douce une dépopulation pour réduire les esclaves à un nombre acceptable eu égard à leur joug et à leur surveillance. Cette réduction sociale se fait sous ses d'actifs, les prêtres arc-en-cielistes ayant doté au préalable les villes et les agglomérats de stands d'endormissement. Ce sont ces fresques végétatives et ces murales créoles que l'on voit bourgeonner un peu partout au coin des avenues, sur les murs des ghettos ou sur l'asphalte des rues et qui, suivant la somnolence induite, contribue à maintenir les sujets au niveau infantile, analphabète, tribal, grégaire et léthargique.